Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans la voiture avec Sam. Coucou. Salut. Parce qu'aujourd'hui, enfin ce matin, on avait une petite course à faire et d'ailleurs, on a encore une autre course à faire là, mais on va peut-être la faire avant d'aller chercher les enfants. Ouais. Parce que ce week-end, on a été invité quelque part. Ouais. On va garder la surprise, mais vous allez très très vite voir parce qu'à mon avis, dans la fin de ce vlog déjà, vous devinerez en fait. Parce que je vais vlogger toute la journée et qu'on part cet après-midi. Donc, on a besoin, pour répondre à cette invitation, de quelques vêtements et ou accessoires particuliers. Je vous en dis pas plus, oula, où ça bouge. Et c'est pas forcément évident parce qu'on a, quand on a une idée en tête, on trouve pas forcément ce qu'on veut dans les magasins en fait. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour avant d'aller chercher les enfants à l'école pour voir, pour essayer d'avoir tout ce dont on a besoin avant de les récupérer, ouais. Puisqu'après il faudra faire les valises pour pouvoir aller prendre le train. Donc direction, je sais pas où est-ce qu'on va trouver ce qu'on cherche. Je sais pas. Direction des magasins. Voilà. On commence par Décathlon parce qu'on a besoin d'un simple t-shirt tout blanc. Donc normalement ici, on devrait trouver sans problème. Ouais. T-shirt blanc, c'est bon, c'est fait. C'est bon, on a récupéré les enfants. Et là, la mission maintenant. Alors, faire à manger. Manger. Mais pendant que nous on fait à manger, vous, va falloir que vous fassiez les valises. Ok ? Enfin, les vôtres. Hein, les, fait. Vôtres ouais. Les nôtres, on les fera nous-mêmes, vous inquiétez pas. Puis je pense que c'est préférable hein, de toute façon. Quoique, la puce, je pense qu'elle sait ce que je mets dans ma valise, grosso modo. Hein. Oui. Elle me mettrait plein de maquillage, plein de trucs de fille. En fait, je crois que je te mettrais une valise. Que de maquillage. Que de maquillage ? Oui. Bon alors finalement non, je vais la faire moi-même ma valise. Allez, c'est parti, on compte sur vous et nous en attendant, on va faire vite fait un petit truc sympa à manger. Ah, arrêt lassé. Je suis pas certaine que vous avez entendu ce que chantait Jen avec le bruit des valises, mais du coup vous vous en doutez, valise prête, on est à la gare, on va prendre le train. Donc ça c'est ce qui s'appelle la galanterie. Merci jeune homme. Et alors il fait une chaleur aujourd'hui. Oh, il fait vraiment hyper beau sur Avignon. Je me demande quel temps il va faire là où on va. On attend sagement le train. Il y a du monde hein. Mais ça va être chouette. On vient juste de sortir du train. On est à la gare de Marne-la-Vallée. Et là, on attend le bus qui va nous emmener à l'hôtel. Oui? C'est un peu bizarre d'être à la gare de Marne-la-Vallée. Tu sais ce qu'il y a ici aussi? Oui. Oui, il y a quoi? Il y a Disney. Ah, ok. Ah, le bus est arrivé. Allez, vite. On est dans le bus? Oui. C'est rare qu'on prenne le bus. Oui. C'est rigolo. Ah, bon, on est déjà arrivé. En fait, il était juste à côté. Oui. Ça y est. Bon, en fait, à le savoir, on aurait pu venir à pied. C'était vraiment juste à côté de la gare. Hein. Oui, vraiment. Ouais. J'arrive, je regardais la voiture. Coucou! Cet hôtel, il est juste énorme en fait. C'est l'hôtel New York. Et là, en fait, on nous envoie à la réception qui est derrière. En fait, c'est compliqué à expliquer, mais il y a plusieurs réceptions selon là où on va. Été des super-héros. Alors on s'est super bien occupé de nous, on nous a débarrassé de nos valises pour les monter directement en chambre. Et nous on va quand même aller aussi dans nos chambres, hein. On avait prévu d'y aller avec nos valises à la base. On y va sans, on est un petit peu plus léger. Et regardez-moi la déco de cet hôtel quoi. C'est un labyrinthe. Ah, on a trouvé les ascenseurs. C'est beau hein? Ouais. C'est super chouette, c'est super grand. Moi, c'est le genre d'endroit où je vais me perdre. Hein. Même l'ascenseur, il est chouette.
la petite musique. Et ah ouais. Se coiffer. Oh flûte, j'ai failli prendre un flag. Pas drôle. Écoute. Deuxième étage, second floor. Ah ouais. Non mais regarde, le couloir il est interminable. T'as vu jusqu'où il va? Il y a beaucoup de chambres. Oh, mais c'est énorme. Pareil, la déco trop chouette. Trop chouette. On y est. Bon bah du coup je crois qu'on va vous faire le room tour en direct là, si on arrive à ouvrir. Donc. Je vous en prie. Wow. Oh la déco. Il y a de la lumière quelque part? Est-ce que tu arrives à trouver un interrupteur? Regarde. Pour cette grande pièce? Ah, il y a une télé qui est ici. Regarde la lumière, ce que il y a c'est. Des choses à manger. Il y a des choses à manger. Il y a un mini bar avec le meuble et la télé ici. Des verres, une petite bouilloire, de quoi se faire. Oh, ça j'adore. Un petit peu de thé ou de café, super sympa. Et on va tous dormir ici. Ah, c'est sympa. Et la vue du coup d'ici, c'est quoi? Attends, j'essaye de trouver la fin du rideau. Non. Non, l'autre côté? Non. Ici. Là. Voilà. Oh, mais. Ah, bah, y a pas vraiment. C'est une terrasse. Ouais, mais elle n'est pas accessible. Ah non, tu crois? Bah, je suis sûr. Il n'y a pas de porte? Je vérifie, hein, on ne sait jamais. C'est ça, c'était bien les valises. Et donc je continue quand même par... Ouh, il y a un grand miroir pour accéder à la salle de bain, t'as vu? Et oh, elle est mignonne. Ah, c'est chou avec les rideaux, t'as vu? Hôtel New York. Pour la douche. Bon, bah les petits coins, hein, forcément. Et oh, c'est mignon. Oh, regarde. Baume corporel avec des oreilles de Mickey. Trop chou. Ouais, trop trop mignon. Et là, il y a des grands placards, j'ai très vu. Des grands placards, tabac repassé, tout ce qu'il faut. Carrément. Il va jusque là-bas au oui, bout. Oui, il va jusqu'au bout. Ah waouh, d'accord. Super. Bon, ben on va peut-être un petit peu dévoiler les affaires. On va se balader. Ouais. Cool. On va se détendre un peu. D'accord. Donc c'est là qu'il y a la patinoire en hiver. Oui. Ah, ça doit être trop ça cool. Doit être chouette, hein. Ah mais trop quoi. Il fait bon ici. Moins chaud que chez nous, mais pour le coup, il fait beau. Il fait beau. Ouais. Espérons que ça dure. Mais c'est magnifique ici. C'est beau. Hein. Ah ouais, ouais. L'hôtel est assez incroyable. Hein. Yeah. Bon, on fait quoi? On va où? Moi, je vous suis. Hein. Ok. Allez. Alors, on allait partir pour aller se balader quand j'ai reçu un petit message qui me disait qu'il fallait qu'on se rende ici dans la partie convention parce qu'en fait, on a été invité par Disney pour le lancement de la saison Summer of Superheroes. C'est ça, ça Marvel. Marvel, voilà. On est carrément fan de Marvel. Je pense que vous le savez maintenant depuis un petit moment. Donc forcément, ça nous a fait trop, trop plaisir. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un Rocket qui a été adopté et des oreilles avec des super héros Marvel dessus. On a aussi un bouclier et un casque Captain America qui se balade par ici, j'arrive plus à parler. Un petit stylo et surtout les passes, voilà, pour pouvoir aller s'amuser dans le parc. Mais il n'y a pas que ça qui est prévu, non. Mais je vous en dis pas plus parce qu'apparemment on va en prendre plein les yeux et je compte bien partager tout ça avec vous parce que c'est aussi pour ça qu'on est venu, pour pouvoir vous montrer ce qu'il va y avoir justement au niveau Marvel, nouvelles attractions, etc. Donc on a trop trop hâte. On va aller poser ça dans la chambre d'hôtel du coup et on va aller faire le petit tour qu'on voulait faire pour se dégourdir les jambes après le train. Oui. C'est parti. Waouh, t'as vu cette montgolfière? Oui. Elle est impressionnante. Même la nacelle en bas, elle est énorme en fait. Ouais, tu crois que c'est une attraction ça? Oui, oui, bah, t'as vu, c'est protégé avec des grilles et tout. Je pense qu'elle doit, wow. doit pouvoir en faire. Bon, on continue? Oui. Et parce que cette fois-ci, on est vraiment en direction cette de fois-ci, on y Disney va. Village, oui. C'est ça? Je me doute. Ah, ok. Donc, on peut monter dedans. C'est bien fait, dedans. C'est beau. Ah, ouais. Ah, c'est trop bien fait. Ouais, c'est canon. Il y a un aquarium là-bas. Regarde ça. Waouh. C'est un resto, mais t'as vu, il y a une petite cascade de pluie là. Enfin... Oh, la déco, elle est trop. Oui. On les a vus, mais dans l'océan. Des souvenirs aussi. Donc, carrément. Je suis désolée, je m'en fous. Oh, elle a trouvé les chaussons licorne. Crapule. Regarde, Jen. Licorne et. Lana. Lana rose.
flamant rose. Sirène. Il y a tout. Il y a tout, tout, tout. C'est trop mignon. Oh, et là, c'est elles sont belles aussi. C'est des verres. Et là, c'est des veilleuses. Ouais, veilleuses unicornes. De toute façon, je crois qu'ici, on va en prendre plein les yeux. En même temps, je suis pas très étonnée de trouver ce style ici parce que ça va bien avec la déco qu'il y a partout au plafond. Elle est jolie, elle est canon. Hein. Ouais, ouais. Non, mais il y a des trucs hyper sympas. Mais je vous signale que c'est le premier magasin dans lequel on rentre. Enfin, magasin, restaurant, c'est un peu, il fait un peu tout en fait. Mais c'est vraiment chouette. Je suis pas sûre qu'on verra. En fait, à travers la caméra, on le voit pas du tout, mais en fait, ce sont des puzzles 3D. Donc vous savez, c'est comme les trucs quand on oriente, ça fait de la 3D. Bah là, c'est le même concept mais en puzzle. C'est trop bien fait. Franchement, même la boîte, elle fait bien illusion. C'est chouette. Non, c'est juste en 3D. Tu voulais voir le crocodile? Il y a des pieds dans sa bouche. C'est les gens qui les lancent en fait. Il est bien fait. De lancer dans la bouche? Ouais. Ah ouais, faut viser. Hein. Donc en fait ici il y a un peu tout, hein. Il y a Lego, ouais, ils font des trucs de fou. Il y a Disney Fashion, il y a un Starbucks, il y a un Steakhouse, enfin voilà, il y a plein de trucs super sympas. Est-ce que je suis la femme de Dark Vador ou pas? Ouais. Il est beau, hein. Il est beau. Honnêtement, il est super canon. Ouais, ouais, mais tout est hyper joli. Hein. Il est super joli. Mmh. Ah, elle est mignonne la robe. Regarde. Elle est sur le mannequin, la jupe. Ouais. Regarde Sam, Jen elle a trouvé des coques, c'est à partager. C'est forcément deux coques ensemble et tu en prends une et tu offres l'autre quoi. C'est ça. C'est trop chou. Il y a aussi celle de Dark Vador. Petit tour chez Disney Store. Mais ici il doit être bien plus grand que tous ceux que j'ai déjà vus. Wow. Regarde en l'air, il y a plein de trucs là-haut. Il y a Stitch, un ukulélé. Ils sont trop mignons. Ils sont trop beaux. T'as trouvé ce que tu voulais pour être un super-héros? C'est ça. Le caleçon de... Voilà, ouais. Le boxeur de Captain America. Ou Iron Man. Ah ouais, c'est tentant aussi. Waouh, regarde! Du coup, il y a tout en Marvel, c'est trop mignon. Ouais, tout est décliné. Ouais. Waouh, elle est belle! Coque Avengers. Elles sont super jolies. Oh, avec les pierres. Mm-hmm. Ça, tu es très puissant quand tu as ça. Tu es au courant? Je suis puissante. Regarde. C'est celle de Thor. Normalement, t'es pas censée pouvoir la prendre. Ah ouais, mais je suis balèze. Tu vois? Oh, crapule! C'est le petit support à téléphone. Et est-ce que ça le charge aussi? Non, regarde, socle pour téléphone. C'est rigolo. Oh, il y a un porg! Trop chou! Oh, tu parles bien, porg! T'as trouvé quelque chose pour moi, c'est ça? C'est pas mon meilleur profil. Hein. Regarde, elle est pas canon celle-là. Elle est super. Les chaussons. Ouais, ils sont sympas. Hein. Regarde, j'ai trouvé des chaussons. Voilà. Donc là, faut pas y aller. Parce qu'à mon avis, c'est plein de trucs à manger. Ouais. Plein de trucs trop tentants. Mais ils font quoi? Ils y vont? C'est le côté obscur. Mais non, mais faut pas y aller, j'ai dit. Elles sont trop belles, les pailles. Oh, regarde, les aristochats. Stitch, Stitch. Non, non, mais c'est trop mignon. Bon, il y a plein de bonbons, hein, forcément. Fallait pas venir. Non, mais on va résister, on va être forte. D'accord. Reviens ici. Ça doit être sympa, là, ouais. Chez Annette. C'est ma voiture. C'est vrai? Tu m'emmènes faire un tour? Elle est cool, celle-là. Ok. Par contre, j'ai pas le permis, hein, c'est pas grave. Et puis, tu touches pas les pédales, surtout? D'origine, hein. Elle est canon. Bon, là, il y a les reflets. Je pense qu'on voit pas grand chose, mais c'est chouette. Sam, il aime bien tout ce qui est vintage. Elle était trop facile. J'ai trop tendu la perche là. Donc, ça, c'est la salle de ciné.
Oui, parce que faut le savoir, nous on est rarement venu à Disney, je suis venue une fois en fait. Oui. Voilà. Et c'était il y a très longtemps et je m'en souviens pas du tout. Il y a plus de 6 ans. C'est ça. Je sais pas s'il y avait le cinéma à cette époque-là. Ah oui, donc autant ça a tellement changé que de toute façon on peut pas se souvenir de grand chose. Et là les enfants ont décidé d'aller faire un petit tour chez World of Disney. C'est encore une boutique, hein. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, ils sont trop mignons. Et ça, c'est trop chou. Ça, c'est encore plus avec les chou. Oh. Et ça, ça sent, je sais pas, ça sent la pomme. Je sais pas, mais ça sent super bon, effectivement. Ils sont trop, trop mignons. Là, regarde, ça sent l'ananas, celui-là. Mmh. Oh. C'est trop chou. Là, on est au rayon des robes de princesse. Comme vous l'aurez compris, vu qu'on est juste arrivé, on a juste fait un petit tour vite fait dans Disney Village pour, ouais. Pour le plaisir. C'est ça. Voilà, des yeux. Et là, on est devant l'entrée. J'arrive pas très bien à viser en fait avec Sissi. On est devant l'entrée, je retourne. Je me débrouille mieux quand il est de l'autre côté en fait. Et j'en connais une qui est Ravi de chez Ravi. Ça doit pas être mal d'être là-dedans. Oui. C'est joli, hein. Qu'est-ce que t'en penses, la puce? C'est hyper joli. Non, mais ici, tu sais, tout est magique. Oui, tout, tout, tout. Ah oui, mais là, t'es loin d'être au bout de tes surprises. Regarde-moi ce décor. Maman, on voit mon chat qui est en train de flipper.